Les mecs, vous allez passer les uns après les autres, je vais vous faire passer. Celui qui gagne, donc qui fait rire, repart avec un sub. Les autres, ça dégage. Est-ce que vous êtes prêts pour le début de ce concours de blagues? C'est parti. Je vais prendre Mimoti67. Allô, oui, bonjour. Ouais, Zach, tu vas bien? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, ça va. Ouais, mais je n'assume pas ma blague. Hein. Écoute, il n'y a pas de problème. Gros, on va pas te manger. Hein, donc, vas-y, va pour ta blague, c'est parti. C'est quoi le point commun entre une vierge et une voiture de sport? Aucune idée. Quand tu rentres dedans, ça déchire. Allez, ton pseudo, monsieur, t'as gagné. C'est ça. Ton pseudo, très vite, là. Offrir un abonnement, c'est offert pour monsieur... Allô, oui, bonjour. Ouais. Oh, j'allais dire pitié, s'il te plaît, donne-moi un truc. Ah, parce que je suis là. Ok, je commençais à perdre. Oh, frérot, t'inquiète, moi je fais vite, je te préviens, elle est courte. Ok, vas-y, c'est parti. En fait, je t'explique, tu vois, gros, les meufs ça se maquille, tu vois, normal. Mmh. Et moi un jour, t'as vu, je regarde ma meuf et je lui dis, ouais, tu dessines un peu tes sourcils trop haut. Et elle m'a regardé, l'air surpris. C'est tout? Vas-y, tu sais quoi, je pars de moi-même. Vas-y frérot, t'es un bon, je te kiffe, vas-y hein, vas-y les frères, bye bye bye. Retourne café, vas-y. Vas-y. Bah, je suis passé pour ça, merde. Non mais écoute. T'avais de l'assurance, donne-moi ton pseudo là, écrit dans le chat. Sûr, non, t'es un brave. Tu pars avec ton sub toi, allez. Crux! Allô, oui, bonjour! Oui, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Quelle est la blague que tu es venu nous faire? Une petite blague simple et rapide. Vas-y. Tu connais la blague du commissaire? Non. Mets ton doigt dans mon cul, tu verras commissaire. Ok. Simple et efficace. Simple et efficace, je valide. Merci, monsieur. Allô, oui, bonjour! Allô? Oui, ça va? Ouais, salut, ça va quoi? Ouais, ça va, au calme, t'es venu... Quelle est ta blague? Alors, que fait un boulanger? Du pain? Ouais, c'est ça. Allez, bon week-end, du coup. Non, lui, c'est un bon. Bonjour. Wesh, bien? Ouais, tranquille, et toi? Ouais, tranquille, quelle est ta blague, monsieur? Alors, j'ai une petite question à te poser. Tu connais le cri du spermatozoïde? Non. Bah, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Non, mais... Les pseudos vite, monsieur. Voilà. Bravo, monsieur. Ouais, non, j'ai bien aimé. Allô, oui, bonjour. Allô. Ça va? Super, et toi? Ouais, ça va. De quoi es-tu venu nous parler? Tu peux me donner un mot qui est en 8 lettres, qui commence par un B et finit par un G? Bang, bang. Mais ça finit pas par un G. Si, justement. Ok, je l'avais pas sur le coup. je l'avais pas sur le coup. Elle est pas mal en réalité. C'est quoi, je fais appel au chat. Est-ce qu'il prend son sub ou pas? Moi, ça me dérangerait pas. Ouais, bah écoute, c'est un grand oui, apparemment. Allô, oui, bonjour. Allô? Ça va? Va et toi? Ouais, ça va, super. C'est quoi ta vanne? Alors, c'est un Italien, un Français et un Arabe. Ils sont dans une maison chez un riche. Tu vois, le riche, il s'ennuie. Il crée un petit jeu. Tu dois traverser une piscine remplie de crocodiles, tu vois. D'accord. T'as l'Italien et le Français. Ils vont chacun leur tour. Et ils traversent. Ils se font bouffer par les crocos. T'as l'Arabe, il saute. Il ressort de la piscine. Et là, il dit au mec, ouais, trop bien ta piscine Lacoste. Bonne journée. Allez, bonne journée, mec. Bonne journée, monsieur. Monsieur Reda, est-ce que tu es là? Ouais, tu m'entends? Ouais, je beau gosse, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Alors, c'est quoi ta vanne? Tu connais le point commun entre un livreur de pizza et un gynécologue? Non. Ils peuvent tous les deux la sentir, mais pas la bouffer. Facile, celle-là. Facile, elle m'a rappelé quelque chose. Facile, mais appréciable. Ton pseudo, monsieur. C'est un seul pour toi, monsieur. Ouais, Zach, ça va ou quoi? Allô, ça va? Tranquille? Ouais, ça va. Bon, c'est quoi ta vanne, frérot? T'as même prénom que moi, fous-moi pas la honte, s'il te plaît. Oh putain, moi j'ai peur. Ok, c'est un mec, tu vois, il va à la boulangerie. Et il dit, ouais, je vais acheter un gâteau pour l'anniversaire de ma sœur. La boulangère fait, ouais, c'est mignon, elle s'appelle comment ta sœur? Après, il dit pétale. Elle fait, pourquoi pétale? Il dit, quand elle était bébé, tu vois, il y avait des pétales de rose qui tombaient dans son berceau. Elle fait, toi, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Poutrelle Métallique. Allez, bonne soirée, frérot.
Bonjour. Wesh, ça va quoi? Tranquille? Ça va, tranquille. Bon, vas-y, bon, c'est quoi ta vanne? Par contre, vaut mieux que tu rigoles, parce que sinon je vais le prendre mal. Hein. Ah, bah... Je suis fier de ce blague. Hein. Ah, mais me mets pas des pressions. Qu'est-ce qui sent à la fois les pieds, les fesses et la fouf? Je sais pas. Un collant roulé en boule. Bonne journée. Non, rigole, assure. Allez, bonne journée, monsieur. Allô, Paul. Allô. Oui, ça va? Ouais. Ça va, tranquille? Ouais, ça va, au calme. Bon, du coup, t'es venu nous parler de quoi, frérot? Quel est le point commun entre un taureau et un roi? Je sais pas. Tous les deux, ils rentrent dans l'arène. Bon, allez, salut. Maï, t'as entendu Maï? Maï, elle est à côté, elle est morte. Ça te fait rire, ça, hein? Mais si vous l'avez... Les mecs, regardez, elle est morte. Allez, monsieur, un pseudo, vite. Ça va, beau gosse? Ouais, tranquillou, hein. Bon, c'est quoi ta blague? C'est parti. Comment appelle-t-on le fait de se retrouver coincé entre Marine et Jean-Marie? Je sais pas. Une double peine. Ou Marcoach? Bah écoute, bonne soirée frérot. Bonjour monsieur. Salut Zach. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. C'est une blague simple. Vas-y, fonce. Alors, c'est l'histoire d'un mec, il a 5 bits. Du coup, son slip, il va comme un gant. Ah, je suis complètement simplet. J'ai imaginé 5 bits se dérouler après pour faire un gant. Allez, vite, un pseudo, monsieur, là, vous gaguez. Bonjour, monsieur. Du coup, j'ai une petite blague assez rapide, moi aussi. Fonce, hein. T'es prêt à l'écouter? Fonce. Ok, quel est le point commun entre ta sœur et une patinoire inférieure? Je sais pas. Ça glisse de ouf quand on est dedans. Allez, bonne journée. Yes, bonne soirée. Quand les mecs, il s'est enfui, lui. J'ai même pas eu le temps de le déconnecter, il est parti. Il est parti tout seul. Ah, il s'est enfui, le monsieur. Allô? Tranquille? Ça va et toi? Ouais, ça va super, frérot. De quoi tu nous... Qu'est-ce que t'es venu nous raconter? Tu sais ce que c'est qu'un canif? Oui, c'est un couteau. Non, c'est un petit fier. T'as mis le F et tout avec la bouche. Un petit fien. Non, ouais. Pseudo, allez, viens. Pseudo. Bonjour. Salut, gros beau gosse. T'as BG? Tranquille. Ouais, on est chaud là. Oh, je veux pas te décevoir. Vas-y. Sais-tu pourquoi les Mexicains aiment manger aux toilettes? Non. Parce qu'ils aiment manger épicé. Ouais, ça faisait les petits jeux de mots comme ça. Pas mal. Non, franchement, elle est pas mal. Je reste un peu dubitatif, donc ça sera pas suffisant pour moi pour gagner. Mais, ça a été un passage sympathique, donc je salue l'effort. J'essaye l'effort. Un peu old school. Merci, monsieur. Merci, bonne journée. Pas de soucis, bonne fin de journée. Il a le nom d'un mec marrant. Allô, oui, bonjour. Allô? Ouais, bien. Salut, ça va et toi? Ouais, ça va super. Quelle est la blague que tu es venu nous faire, monsieur? Ouais, j'ai une petite blague là. En gros, hier, tu vois, je suis à la fac et hier, j'ai envoyé un message à ma tuteur. Mmh. Genre, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on baise mardi? Et je me suis trompé, tu vois. C'est pas ce que je voulais lui dire. Mmh. Je voulais lui dire mercredi. Au début, j'étais là chelou, lui. Non, monsieur. Ça passe. Ouais, ça passe, pour Zach, c'est bon, c'est validé. Ah, c'est carré. C'est validé, carré, pseudo, monsieur. Bonjour. Oui, allô. Alors, j'ai une blague. Quel est le point commun entre une femme et du café? Je sais pas. Au début, ça excite et à la fin, ça énerve. Misogyne un peu. Ouais. Bah après, les blagues les plus drôles sont les plus noires. Ah non, mais je comprends, y a pas de souci. Mais bon, ce sera pas suffisant pour gagner pour moi. Oh, dommage. C'est pas grave, bel essai, monsieur. Attends, j'en ai une autre. Oula, attention.
Mais elle est aussi raciste. Oh là 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 là. Déconnexion. Ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Ouais, ça va, ouais. T'es venu nous raconter quoi? C'est une blague courte. Bref, ah bah courte, tant mieux, les blagues courtes sont les meilleures, c'est parti. C'est quoi la différence entre une Ferrari et une érection? Je ne sais pas. C'est que tout de suite, je n'ai pas de Ferrari. non, pas mal, pas mal. Mais pas suffisant pour gagner. Ah pour non, moi. Pas putain, suffisant pour non. gagner. Ah, désolé, c'est moi qui paye. Ça va, beau gosse? Ouais, ça va, tranquille, toi, frérot. Ouais, ça va, super. T'es venu nous parler de quoi, là? Moi, j'en ai une courte et efficace. Bah, c'est tout ce qu'on veut. C'est un mec qui dit à sa femme: chérie, pourquoi tu me dis jamais quand je te fais jouir? Et sa femme, elle lui répond: bah, tu m'as dit jamais t'appeler quand t'étais au bureau. Elle est subtile. Un peu subtile au beauf, mais elle est pas mal, elle est pas mal. Tu valides ou pas? Ouais, je valide. Bah allez, c'est sympa. Bon. C'est validé par Zach. Quel est ton pseudo, mec? Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va, beau gosse? Ça va et toi? Ouais, ça va super, alors? En fait, j'avais une blague sur Carrefour, mais elle a pas super marché. Allez, bonne journée, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Dédicace à la Belgique. Dédicace à la Belgique. Ça, ah oui, c'est... bien sûr. Cette magnifique contrée. C'est une blague un peu dégueulasse, un peu pédophile. Oula, doucement, monsieur. C'est une fille qui dit à son papa, papa caca, papa caca, papa caca. Et le papa, il fait: oui, ça va, je me retire. C'est pas bien. Aïe. Il a fallu que ce soit la blague belge qui vienne nous envoyer un moment dans la sauce. Est-ce que tu es venu dans l'option de me faire perdre mon travail? Non, du tout. Quelque part, moi, je suis là pour donner du plaisir. Hein. Ouais, et bah, alors? Eh bah, écoute, merci pour l'effort. Passe une bonne journée. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Ciao. Ouais. Plus jamais je fais passer les mecs qui s'appellent Kevin. Plus jamais. Les mecs qui s'appellent Kevin, c'est terminé. Hein. Momo Hadj, t'es là ou pas? Allô? Ça va? Bien, tranquille. Ouais, ça va, super. Bah écoute, est-ce qu'un Momo va gagner son sub aujourd'hui? Moi je suis là pour la postérité, je suis pas là pour un sub. Ok, bah vas-y, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qui est pire qu'un bébé mort dans une poubelle? Je sais pas. Un bébé mort dans deux poubelles. Tu sais que je suis vraiment un putain de simplet, hein. Je suis vraiment un putain de simplet, vraiment. Connu, mais je suis très simplet, moi. Moi, je rigole. C'est... Merci, monsieur. Du coup, tu le veux ou pas, ton sub? Vas-y, tu sais quoi, je suis content. Tranquille, profite. Eh ben, écoute, pas de soucis. Nous faire kiffer, merci. Merci, mon frère, bonne fin de journée. Tranquille? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va super. Quelle est ta blague, monsieur? C'est monsieur et madame Hulé en deux fils, comment s'appelle-t-il? Hank? Non. Je ne sais pas. Tu sais pas? Yvon et Jacques. Ils vont éjaculer, ouais. Je m'attendais au enculé. Mais le petit Yvon et Jacques, pour être honnête avec toi, ce sera pas suffisant pour moi pour gagner, mais tu m'as pris par surprise, j'ai apprécié. Donc merci à toi, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ouais. Ouais. On t'a forcé? Non, je suis bien. Bon, ok, bah du coup, c'est quoi ta blague, monsieur? Tu sais quoi, le bar préféré du Paris Saint-Germain? Je sais pas. Le Barcelone. Bravo, monsieur. Bravo. Non, je m'y attendais pas. Hey, vite, pseudo pour ce monsieur. Claude François, bonjour. Ouais. Wesh, bien ou quoi? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, monsieur Claude François? Ça va. C'est quoi ta blague? C'est quoi le point commun entre Jean-Jacques Rousseau et Claude François? Je ne sais pas. Les deux ont fait partie des siècles de lumière. Bon, c'est sympa. Je suis content de t'avoir rencontré. À plus. Hein. Allez, à plus. J'aime quand les mecs font pas de vieux os. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Quelle est ta blague, monsieur? Comment s'appelait le capitaine Crochet avant son accident? Je ne sais pas. Capitaine. Les blagues de... Vraiment, les blagues simplettes comme ça, je suis vraiment trop bête, sérieux. Non, j'ai apprécié. Pas mal. Franchement, pas la plus drôle, mais pas mal. Donc, Elle est mignonnette. Allez, vas-y. La mignonnerie prend son sub. Un pseudo, monsieur. Bonjour! Salut frérot, comment ça va? Tu vas bien, beau gosse? Ça va. Bon, c'est quoi ta blague? Est-ce que tu sais comment le capitaine Crochet est mort?
Non. En se grattant les couilles. Allez, bonne journée. Je sais pas ce qu'ils ont avec le capitaine Crochet, mais foutez-lui la paix, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, ce concept de concours de blagues était excellent. On l'a fait à la Zub. Ça a été trop lourd, ça a trop bien rendu. J'espère que vous avez kiffé. Vraiment, moi, j'ai adoré le faire.